Mais c'est vrai que tu parlais de l'album Circle. Moi, j'avais noté parce que j'ai écouté justement toute ta discographie et je me suis rendu compte qu'à partir de Circles, il y a un basculement. Il se passe quelque chose au niveau du son et même au niveau de l'orientation musicale. Et je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé pour toi? Parce qu'on sent qu'il se passe, il y a un tournant. Ouais, en fait, il y a eu plusieurs choses, il y a eu plusieurs collaborations, parce que évidemment, je sors mes disques sous mon nom, mais j'ai aussi collaboré avec plein d'artistes différents, et notamment à cette période, c'était la fin de la période. En fait, j'ai joué pendant 6 ans avec Mélissa Lavo, Exact. chanteuse, compositrice, auteure, et déjà, ça m'a fait un peu changer, bouger mon son de batterie, et puis avec Jana Dead aussi. Et ça, en fait, c'est avec ces deux musiciennes, j'ai découvert plein de musique. James Blake, Junip, donc José González. Et en fait, il y a un truc qui a changé dans ma manière de penser la musique. C'est-à-dire que parfois en jazz, les musiciens, ils arrivent en studio, ils enregistrent 3 jours, 5 jours, et puis ils s'en vont, on mixe et c'est terminé. Et là, en fait, ça m'a donné envie de produire un peu plus la musique, quoi. Prendre plus le temps, réfléchir au son, réfléchir à chaque... Voilà, chaque intervention et aussi le son de batterie, tu vois, essayer de le transformer en fonction des morceaux. Et il y a vraiment eu ce truc de production qui s'est enclenché à partir de Circles et j'ai eu l'impression de pousser un peu plus avec chaque disque et chaque groupe. Et c'est vrai qu'il y a déjà Yokai, le disque d'avant Circles, c'est déjà un disque où j'ai pris plus. En fait, j'ai écrit toute la musique. J'ai bien aimé ce disque. Ouais, c'était en fait, je pense que c'était les prémices de tout ça, Ouais. mais je pense qu'il y a vraiment une trilogie Circles, Bright Shadows, Shaman, Ouais. On sent que c'est une c'est une continuité. suite. Ouais, exactement, exactement. C'est marrant parce que j'ai la sensation que tu ne laisses rien, ou en tout cas, tu essayes de ne rien laisser au hasard. Que ce soit au niveau des pochettes, que ça soit au niveau du concept, et je pense même au niveau du son, c'est la sensation que j'ai lorsque je regarde même ta cover, en tout cas c'est l'interprétation que moi j'en fais. Il y a cette idée de mouvement, mais il y a aussi quand même un côté où tu es là, tu es présente. Il y a aussi, je dirais, l'instant présent. Alors, et d'ailleurs, c'est une belle pochette, c'est une belle photo. Et même la globalité de tes covers sont quand même. On sent qu'il y a de la réflexion, elles sont bien. Donc, c'était quoi l'idée de cette photo avec Shaman? En fait, j'ai bossé avec Sylvain Gripois, qui est un photographe incroyable, avec qui je bosse depuis Circles d'ailleurs, qui a ce talent de savoir mettre en scène les musiciens et de vraiment écouter la musique et essayer de la comprendre. Et c'est-à-dire que pour moi, un disque, c'est pas seulement de la musique, c'est aussi comment tu la présentes. Et pour moi, tout ça doit faire un tout, quoi. Entre la pochette, les textes qui présentent l'album, la musique, enfin, tu présentes un univers. Et là, pour cette photo, je lui ai parlé du chamanisme, évidemment, des mondes invisibles, et on est parti un peu sur le dédoublement. C'est pour ça que cette photo, en fait, c'est plusieurs. Il y a un mouvement en fait où il a bougé l'appareil photo et j'avais envie de quelque chose d'un peu fantomatique mais qui reste complètement solaire. Et je trouvais que cette photo était la plus représentative de ça, quoi. Et c'est vrai que j'aime bien bosser avec lui parce que pour chaque disque, on réfléchit vraiment ensemble à ce qu'on va faire, quoi, et comment on va le faire. Et voilà, il y avait toute une série de photos et celle-là, c'était ma préférée pour la cover parce que je trouvais qu'elle était lumineuse et qu'elle représentait le mieux cette musique-là, en fait, qui est. En fait, t'as des morceaux. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme des mondes parallèles, quoi. Ouais. Et il y a ça dans la pochette. Et puis il y a aussi plusieurs grilles de lecture hein, concernant l'album, concernant les sons. Il y a un élément qu'on va écouter en premier lieu, et puis après il y a d'autres choses qui vont réapparaître qu'on n'a pas entendues. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Donc ça fait non non c'est il y avait des trucs que j'avais pas entendus que j'ai réécouté hier et non je trouve que c'est un album qui se laisse écouter et j'ai l'impression mais alors là, je parle de toi, mais de manière globale, en tout cas au niveau artistique, au niveau des artistes, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'albums qu'il faut réécouter à plusieurs reprises maintenant qu'il y a une sorte de liberté. Alors, je ne sais pas si c'est le confinement, mais qui a fait en sorte d'y aller véritablement et de ne pas forcément rentrer dans une norme. Ouais, après moi j'ai jamais cherché non plus à rentrer dans une norme. Enfin,
En fait, je veux faire ma musique le plus humblement et le plus honnêtement possible. Après, pour moi, les bons disques, c'est des disques qui ont plusieurs grilles de lecture. Mais en fait, à chaque fois que tu réécoutes, tu entends des nouvelles choses. Et moi, c'est ça que j'aime quand j'écoute des albums. J'aime pas quand c'est trop facile. Enfin, si j'aime, tu vois, pour accompagner des moments, tu vois, de la musique un peu. Voilà, comme ça, mais j'aime les disques, mes disques préférés, c'est des disques où, en fait, à chaque fois que tu réécoutes, tu entends des choses nouvelles et tu comprends mieux. J'ai cette sensation que là, tu as réussi à faire ce que tu avais déjà un petit moment dans la tête, mais que là, tu as réussi à le matérialiser. Ouais, j'ai l'impression que sur ce disque, j'ai vraiment réussi à pousser, d'aller encore plus près de ce que je recherche, quoi. Et après, je pense que la grosse différence avec les disques d'avant, c'est que quand je fais mes démos, donc je suis à la maison, j'ai mon clavier, j'enregistre des claviers, j'enregistre mes voix, je fais des batteries, je fais des basses. Donc il y a vraiment un travail de pré-production. Et en fait, les pré-productions de cet album-là, elles étaient beaucoup plus poussées que sur les précédents. C'est-à-dire, l'autre jour, je réécoutais les enregistrements que j'avais fait moi. Et je réécoute le disque et je me rends compte qu'on est très proche en fait. On est resté vraiment dans l'univers que j'avais imaginé et ça, je trouve ça génial. Là où sur les précédents albums, évidemment, il y avait des morceaux qui étaient assez pré-produits avant, mais j'ai l'impression que sur celui-là, en fait, je suis vraiment arrivée avec de la matière et une direction très claire. Et du coup, tu travaillais depuis combien de temps sur l'album Shaman? Shaman, j'ai commencé à l'écrire en mai 2019. Tu parlais du processus musical. Comment ça commence chez toi? La batterie, c'est tous les jours? Bah, en ce moment, un peu moins tous les jours parce que je suis bien occupée. Mais oui, quand c'est un peu plus relax, j'essaye d'en. Mais en fait, l'inspiration, en fait, c'est des mélodies qui apparaissent. Dans ta tête? Ouais, des mélodies qui me tombent dessus. Et en fait, c'est marrant ce truc-là parce que, tu vois, le chaman ou la chamane, c'est quelqu'un qui voit ce que les autres ne Ne voient perçoit pas. pas, ouais. Et en fait, je pense qu'être artiste, c'est ça aussi. Tu vois, je pense au peintre, par exemple, où tu vas voir une toile et en fait, ça va être comme un monde parallèle, quoi. Et en fait, les peintres, ils ont comme des visions, en fait. Et je pense que quand tu es musicien, et que tu composes, c'est un peu ça aussi, en fait. C'est comme, je sais pas, en fait, quand je compose, j'ai l'impression que c'est comme si je devais, tu vois, il faut que je sois un peu au calme, et comme si je devais me connecter intérieurement genre, à un canal de radio. Et ça, je peux le faire que quand je suis relax. Et en fait, là, une fois que tu es là, en fait, tu reçois de la musique, quoi. Enfin, tu as de la musique qui arrive dans ta tête et c'est assez magique. Et j'ai vraiment cette impression aussi avec cet album d'avoir proposé comme un monde parallèle, quoi. Ouais, puisque du coup, là, il n'y a pas de réflexion, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur qui sort vers l'extérieur. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment ces mélodies qui arrivent et puis après, je suis dans mon truc, je cherche, j'essaye des choses, je cherche des sons et je peux y passer une après-midi, je vois pas le temps passer, je suis vraiment à fond, quoi.